Mariella, est-ce que tu vois un lien entre ce que je viens de dire, entre le thème du live de ce soir et ta question? Si tu vas fouiller dans cette direction, je pense que tu auras ta réponse. Pourquoi t'es fasciné d'être prise pour une voyante? Parce que t'as envie de rock'n'roll. Voilà pourquoi. Et je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Et non, évidemment, il n'y a pas de hasard. T'as envie de rock'n'roll dans le sens. Ok, je vais te dire ça autrement. Parce que t'es comme moi, t'as envie d'authenticité, t'as envie de briser les masques. Et ça t'emmerde littéralement. Ce faux jeu. T'aurais juste envie de donner, en fait, de foutre une balayette à ce faux jeu entre les gens. Mais, responsabilité oblige, c'est toi qui l'as mis en place, ce faux jeu. Et il y a une part de toi qui s'y attache quand même. Parce que c'est agréable de déclarer à l'univers, je sais. De déclarer aux gens, je sais. Et je m'y connais, je le fais tous les mercredis soirs. Je déclare aux gens, je sais. J'établis cette règle qui est factice, parce que par définition, je ne peux pas et tu ne peux pas rentrer dans le monde de l'autre. Et personne ne pourra jamais comprendre quelqu'un, parce qu'on est trop structuré de tellement de manières différentes que c'est deux univers, deux extraterrestres. Un être humain et un extraterrestre venant de je sais pas quelle planète qui se rencontreraient. Mais pour le jeu de l'humain, parce que cette règle est quand même alignée sur toi, parce qu'elle est alignée sur toi, ce côté je sais, parce qu'elle est sous-tendue par ok, c'est l'altruisme que tu poses, c'est le cœur, c'est presque l'archétype de Mère Teresa. Donc, comme ça définit quand même un peu ton identité, forcément. Comment faire pour s'en débarrasser sans me perdre moi-même? Si je m'en débarrasse, si tu t'en débarrasses, tu vas forcément devoir redistribuer la carte des pouvoirs. Parce que la voyante, enfin voyant-voyante, médium, clairvoyant-clairvoyante, on a une espèce de jeu avec le pouvoir qu'on ne veut pas la totalement lâcher. Autre chose, c'est que la lassitude et surtout l'épuisement, très clairement, c'est pas normal d'être épuisé en canalisant. Que tu canalises un être, un ange, un esprit de la nature, ou si comme moi, en fait, tu te canalises toi-même, tout simplement, ou bref, peu importe ce que tu canalises, ce n'est pas normal d'être épuisé. Pourquoi? Parce que ce qui nous nourrit réellement nous nourrit, nous donne de l'énergie. Et au fur et à mesure qu'on donne de l'énergie, qu'on se donne de l'énergie, bah on peut en donner à l'autre. Et en fait, c'est ça le véritable altruisme. Donc, j'ai envie de dire que ta définition de l'altruisme, elle est en train de changer. Tu passes de j'aide les autres en déclarant que j'ai raison à ok, je vais préciser parce que ça va être important pour. Et là, je parle à tout le groupe. Tu passes de ce système petit 1 à un système numéro 2 qui me dit. Ok, je me nourris de mes propres besoins, je me nourris moi-même, et donc en ayant de l'énergie, je suis capable de nourrir les autres. Je me nourris de quoi? De quoi est-ce que je suis capable de me nourrir? De ma satisfaction d'être avec les autres. Parce que c'est à moi de décider si je suis bien avec une personne ou pas. Et pour ça, la ressource, c'est le corps.
c'est pas le mental, ni les perceptions, ni les anges, ni les archanges, ni les archanges, ni ce que vous voulez. Arrêtez de me dire que vous êtes canal et que vous savez et que on vous a dit ça, mais vous savez pas quoi faire. Le boulot des anges, des archanges et de l'univers entier, ce n'est pas de nous dire ce qu'on a à faire. C'est de nous épauler dans nos choix. Et ça, putain, il faut vraiment commencer à l'incorporer. C'est le côté, bah non, ils sont pas là pour dire ce que t'as à faire. Personne. Ni un autre être humain, ni une entité. Et c'est de notre responsabilité que de voir quels sont nos choix. Sur quel terreau de choix notre vie se crée actuellement. Et une fois qu'on a mis en lumière, une fois qu'on a mis de la conscience sur nos choix, eh ben, est-ce que je suis OK avec ces choix-là ou est-ce que j'en change? Et voilà entre quel et quel système tu es en train de basculer. Mais du coup, pour toi, ça sous-tend une perte de repères. Et la perte de repères, bah, ça fait peur. Tu connectes une sorte d'enfant perdu qui ne sait pas trop où aller. Voilà. Merci pour ta question, Mariella. C'était génial.